Comment obtenir le Relaxorus en or sur Palworld? Et non, c'est pas un boss, ni un pal à obtenir dans la nature du jeu, mais vous pouvez l'obtenir grâce à Twitch. Yo les gars, c'est Napets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière, car aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment obtenir le Relaxorus en or sur Palworld, grâce à Twitch. Cette vidéo va être plutôt courte dans l'ensemble, l'explication va être plutôt rapide, mais l'obtenir sera une toute autre paire de manches. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que cet événement, qui se nomme une campagne en gros, sur Twitch, se déroule jusqu'au 27 août, donc faites vite parce qu'après cette date, vous ne pourrez plus l'obtenir. Je parle bien sûr du Relaxorus en or, parce qu'après ça, Palworld nous ont dévoilé deux autres skins pour deux autres pales différents. D'ailleurs, donc du coup, on a déjà le Relaxorus en or qui est disponible dès maintenant, jusqu'au 27 août, comme je l'ai dit avant. On aura un skin aussi d'ailleurs pour le Chilet, et un autre pour le Kivern. Mais donc le premier, c'est celui du Relaxorus en or. Alors on commence directement avec la première étape pour l'obtenir, c'est d'aller sur Twitch. Logique. Ou vous pouvez même directement aller sur la page Twitch de Palworld qui se trouve dans la description. Ensuite, une fois sur la page Palworld de Twitch, vous devez aller sur un live qui active les Twitch Drops. Ils seront visibles avec un petit icône dessus qui sera situé au-dessus du chat. Mais avant ça, faites très attention, vous devrez vous connecter à Twitch avec votre compte Steam. Sinon, vous n'obtiendrez pas le skin. Pour ce faire, vous allez cliquer tout simplement sur le bouton de connexion juste ici, qui sera d'ailleurs un lien disponible dans la description aussi. Ce sera le tout premier lien par contre celui-là. Vous allez appuyer sur s'identifier sur Twitch. Voilà, vous avez juste à appuyer sur un seul petit bouton, donc c'est très rapide. Ensuite, vous allez appuyer sur la même chose pour Steam. Et donc voilà, vous allez cliquer sur OK. Une fois que vous serez connecté, voici ce qui s'affichera à l'écran. Vous pouvez retourner sur la page Palworld de Twitch et sélectionner un live. Pour ma part, j'ai sélectionné celui de Godmask qui n'est en live que durant 48 heures, donc mieux vaut pas prendre celui-ci si vous regardez la vidéo 2-3 jours après. Après sa sortie, pardon. Dès que vous avez trouvé votre live, vous pouvez y rester. Et tout ça pendant plus d'une heure. Attention, je tiens à vous préciser, seulement les lives anglais-américains ou alors avec le hashtag américain ou anglais peuvent faire gagner le Relaxorus en or. Si vous êtes sur un live d'un français, peut-être que ça marchera, mais faites gaffe. Et donc voilà, donc il va falloir attendre une heure pour l'obtenir. Ça, oui, c'est long, c'est même beaucoup plus long que par exemple les caves, les caps des 15 ans de Minecraft. C'est même beaucoup plus long. Pour savoir si le streamer a bien activé les drops, vous le ferez au-dessus du chat du live juste ici. Comme je vous l'ai dit précédemment. Dès que vous aurez terminé de regarder le live, vous aurez plus qu'à accomplir votre mission en cliquant sur un lien qui devrait apparaître du coup dans le chat en appuyant sur point d'interrogation claim. Un bot vous enverra un message avec un lien. Il vous redirigera donc à une page internet de Twitch qui vous montrera donc la progression de la quête en gros pour obtenir du coup le Relaxorus en or. Dès qu'il y a marqué 100%, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le drop et il s'ajoutera ensuite à votre inventaire sur Steam. Cette fois-ci, bien sûr, vous allez sur Steam, vous allez sur votre profil, vous faites défiler le panneau, vous allez dans votre inventaire et ensuite vous allez dans Palworld et puis vous aurez donc le skin. Vous n'avez plus qu'à lancer le jeu, donc Palworld, aller dans un pal dressing, donc c'est ça, voilà, c'est extrêmement facile à faire et tout, ça demande pas beaucoup de matériaux. Sélectionnez le skin du Relaxorus, sélectionnez-le à un de vos pals pour l'équiper et puis voilà, votre Relaxorus est en or maintenant. Si t'as encore d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi sur ce, bah les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater une des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gars, c'est Napets. Ciao les gars.